les amis, c'est Angèle. Je vous montre comment... Non, c'est pas Angèle, bon, ok. Je vous montre comment fonctionne la machine à laver. Donc là, on a Autopower. Alors déjà, voilà, Autopower. Trop bien, un bouton marqué en anglais. Voilà. Mais c'est bien le seul. On imagine qu'il y a un truc comme ça, il faut appuyer dessus. Donc on va appuyer. Attention, je vous montre un petit peu la notice. Oh, des kanji partout. Oula. Oula, t'as le choix en fait. On peut choisir entre deux boutons, je comprends pas. Mais c'est moi pas je pense qu'on va laisser à 3 parce que se trouve il y a un essorage ou un machin. Comme ça, ça doit être le start. Pour lancer. Oh putain. Bon, la suite au prochain épisode. On voit que dalle, il y a trop de lumière. Ça y est, on est arrivé. Oui, c'est la cape à Bachi. Oui. Je sais pas s'il faudrait rentrer, je pense qu'il y a des choses très belles. Ouais, on va essayer. Ouais. Bon, après, il y a pas toi, 1700, tu descends en gamme, t'as des gammes. Voilà Tamagoyaki. Il y a de l'otimaki et tout. Tout ça, c'est faux, quoi. En noir, c'est classe. Ah, puis même, c'est la forme de la bouteille, quoi. C'est capa de la capa Bachi. On n'est pas bien loin du Sensoji, on va entrer dans le parc. Pas le choix ici, malheureusement. Et on a la Tokyo Sky Tree. Dans quel sens ça se dit? Dans le sens. Les trois au-dessus, avec un plus ça, c'est et une espèce de truc bizarre. Un, deux, trois, le plus et le... Mauvaise fortune. Déjà, ça commence bien. Donc, disons que tu la roules. C'est ultra mauvais. Je parle quand même que ma maison va brûler. Hein. C'est quand même vachement super. Comme ça, je l'ai pliée et détruite. Gère et purifie. Ah bah il a fait l'encens, maintenant il fait la flotte. Gère se purifie pour la décennie à venir. Thank you.
meilleur jour pour le visiter. Ouais, franchement. Alors du coup, à Asakusa, il y a évidemment plein de trucs à manger. Donc là, on va à peu près goûter tout ce qu'on voit. Alors Palou, il teste ça. Je sais pas trop si c'est de la viande ou des légumes frits. C'est du poulet. Du poulet. Moi, j'ai pris des frites de patates douces. Là-bas, je vois les petits poissons en brochette. On m'a conseillé d'en goûter, donc je me tâte vraiment à le faire. Il y a plein de trucs qui ont l'air trop bons, je suppose. Ah bon ? Bah bien sûr. T'es sûr que c'est pas au poule ? Si, c'est au poule. Oui, c'est bon. C'est trop bonne la brochette. Trop, trop bon. Roll de bif. C'est du bœuf grillé dans de la sauce avec du riz à l'intérieur. Un délice. Donc ça, c'est la tour de l'office du tourisme. De le tourisme. Et donc ça, c'est la Camina Rimon. Ça n'a que 47. Mais on est dans le Hotaruna, donc un des bateaux de la Tokyo Cruise. On descend la Sumida pour rejoindre Odaiba, donc l'île artificielle. Et on en profite parce que c'est cool, il y a un bar carrément dans le bateau. On peut boire une petite bière. Moi, je teste une glace à la patate douce. Donc là, on est sur le toit du Uruna. Hotaruna. Hotaruna. Et on est sur les rivières Sumida. Et là, on est sur le toit du coup. C'est trop cool. C'est trop bien. Là, ici, ici le soleil. Ça y est, je me suis brûlé les yeux. Il y a un gros bateau là-bas quand même. T'as que les couloirs entourés de vide. Et vous savez ce qu'on va voir aussi ? Le Gundam. Le Gundam Wing. Oh, ça se précise. C'est vieux, mais ça se regarde. Oh bah on gèle, hein. Pardon pour ma médisance, mon négatif. On n'a pas trop du bol quand même. Je sais pas. Je crois pas qu'il le fasse. Il me semble qu'il y a que la tête qui vit.